Salut Émilie, qu'est-ce que tu regardes? Hé, hey, qui t'a dit que tu pouvais croquer dans ma banane comme ça? C'était dégueu. T'es sérieuse? La prochaine fois qu'un ami décide de chiper ta nourriture, tâche de lui faire goûter quelque chose qu'il n'oubliera pas de sitôt. Une chaussette sale? Parfait. Essaye de croquer de nouveau dans ma banane maintenant, voleuse. Oh! C'est une chaussette sale? Ça devrait apprendre à Émilie à manger son propre goûter maintenant. Tu as le droit d'aller te laver les dents. S'il y a bien une chose dont on ne se lassera jamais, c'est de faire des bonnes blagues. Ne vous inquiétez pas, mes jolies, vous venez juste d'être victime d'une nouvelle farce. Et voici justement une nouvelle compilation d'idées de farces et tours que vous pourrez jouer à vos amis. Salut Amy, désolée de t'avoir fait attendre. Je dois juste vérifier rapidement mes emails. Ok, il faut absolument que je te raconte le truc de dingue qui m'est arrivé ce matin. Lily? Tu m'écoutes au moins? Eh oh! Y'a quelqu'un? Bon ben, je m'arrête de parler alors. Oh, ma sœur m'appelle! Salut Frangine, quoi de neuf? Non, tu ne me déranges pas. Dis-moi tout. Déjeuner avec une amie qui est pendue au téléphone, c'est jamais agréable. Oh là là, mais elle va lui raconter toute sa vie? Je n'ai même pas de quoi passer le temps. Hé, allô? Ça a coupé? Allô? Je t'entends plus? Oh, j'ai plus de batterie. Tu crois qu'il y a une prise par là? Est-ce que Lily réalise au moins qu'Amy est toujours assise là à attendre? Bon, je peux rester là à m'apitoyer sur mon sort ou je peux rendre les choses plus intéressantes. Cette farce est super simple mais aussi très drôle. Et tout ce dont tu auras besoin, c'est d'une photo de prise de courant comme celle-ci. Et n'oublie pas de mettre du ruban adhésif double face à l'arrière. Colle-la simplement au mur et attends que la magie opère. Alors, tu n'as pas trouvé de prise. Regarde, il y en a une ici. Oh, comment j'ai pu ne pas la voir? Hein? Pourquoi ça ne rentre pas? Ha ha, très drôle, Amy. Eh bien, on dirait que tu vas devoir me parler, du coup. Bien joué, Amy. Hé, vous avez oublié d'enlever la prise. Je crains le pire pour la suite. Hé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Allez, rentre là-dedans. Amy, regarde, ta prise. Cette farce peut durer indéfiniment, n'est-ce pas? Voici un public difficile. Mais ils vont avoir droit à un tour spécial. En un seul mouvement, la tête de Steven va disparaître. Laisse-moi juste la tourner un peu. C'est comme si on dévissait le couvercle d'un bocal de cornichons. Waouh! Est-ce que la tête de Steven vient d'exploser? Bien sûr que oui! Que quelqu'un appelle la mère de Steve! Ou la police! Si tu te dis que cette farce fait super peur, attends de voir les autres. Rien ne vaut la joie de ramener un ordinateur tout neuf à la maison. Il va parfaitement sur mon bureau. Waouh, il brille! On va tellement bien s'amuser ensemble. Nous avons une longue journée devant nous. Laisse-moi t'enlever ça. Il est étincelant, comme d'habitude. Hé, hey, monsieur l'ordinateur, tu es plutôt sale aujourd'hui. Je t'ai apporté quelque chose de spécial. Ou tu préfères celui-là? C'est l'endroit parfait. Hé, hey, ça te dérange si je travaille un peu? Non, non, je suis très occupée là. Je vais faire très vite. Non, c'est non, Bella. Maintenant, sors d'ici. Voilà, c'est mieux. Personne ne peut toucher ton précieux ordinateur, hein? On va voir ça. Ce faux écran devrait lui faire peur. C'était facile. Dommage que je n'ai pas de pop-corn pour voir ça. Et pour la touche finale... Steven! Bella! J'arrive! Quoi? J'ai eu... un petit accident. Quoi? Quoi? Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Mon ordinateur! Comment peux-tu rire en ce moment? Sèche tes larmes, c'est juste un fond d'écran. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Maintenant, je peux travailler un peu?
Mais si tu laisses une égratignure, je te jure. C'est une énorme erreur. Waouh, tu m'as apporté une salade McDo. C'est la meilleure. On va se régaler, pas vrai? Rien de tel qu'une salade fraîche pour égayer une soirée. Et je crois que quelque chose ne va pas avec mon couteau en plastique. Pourquoi est-ce que ça ne coupe pas mon poulet? Stupide plastique! Lana, ces couteaux en plastique sont vraiment ce qu'il y a de pire. Je crois que je vais devoir poignarder mon poulet le manger comme une barbare. Oh, c'est vraiment un bébé. Tu veux un couteau bien aiguisé? Je vais t'en donner un. Enfin, je vais lui faire croire qu'il coupe bien. Hé, Amy, ce couteau est assez aiguisé pour toi? Non, Lana! Est-ce que tu viens de te couper la main? C'est quoi ton problème? Arrête de pleurer, Amy. Je te faisais juste une blague. Je vais bien, tu vois? Oh, tu vois, Lana. Amy tient vraiment à toi. Oh, j'aurais bien aimé pouvoir dormir quelques heures de plus. Mais malheureusement, la vie est injuste. N'est-ce pas? J'ai tellement sommeil que je peux à peine tenir ce truc. J'espère que ce dentifrice à la menthe fraîche va réveiller un peu mes sens. Après tout, il n'y a pas de meilleure façon de commencer la matinée qu'avec une bouche propre et une haleine fraîche, n'est-ce pas? Peut-être qu'un jour je deviendrai une lève-tôt. On dirait que Lana n'est pas non plus du matin. Et quelle horreur! Il semble qu'Amy ait encore utilisé la brosse à dents de Lana. Je te jure, cette fille a besoin d'investir dans une nouvelle paire de lunettes. Ça arrive tout le temps. Heureusement, Lana sait que la meilleure façon de donner une leçon à son amie est de lui faire une petite blague inoffensive. Et elle a déjà une super idée en réserve. C'est du colorant alimentaire? J'espère qu'Amy aime le bleu. Et juste pour être sûre, je ferais mieux d'en mettre sur les deux brosses à dents car on ne sait jamais laquelle elle va choisir. Bon, je crois que mon travail est terminé ici. Eh bien, c'était vraiment une bonne idée. Mais maintenant, il est enfin temps de se mettre au lit. Mais je dois d'abord me brosser les dents. Je ne veux pas avoir de caries. Ça n'a pas du tout un goût de menthe. Ah! Lana! Ramène tes fesses ici tout de suite! Lana? Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, je garde cette pièce en équilibre sur mon front. Essaye! Lily ne sait pas encore qu'elle ne devrait jamais faire confiance à sa sœur. Et oui, voici encore une bonne vieille farce à se faire entre frangines. Regarde la suite pour voir d'autres tours que tu pourras jouer à tes frères et sœurs. Parfois, il n'y a rien de tel que de rester enfermé à regarder une bonne comédie romantique. Pas vrai, les filles? Hé, je peux en avoir? Tu sais ce que ça veut dire, partager? Oh oh, on dirait que j'ai fini le pop-corn. Je crois que je vais devoir aller en recherche à la cuisine. Quand le chat n'est pas là, c'est Lana qui danse. Et ce klaxon est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai trop hâte de voir Lily s'appuyer dessus. Hé, sœurette, déjà de retour? Oui, regarde la terreur sur son visage. Mais qu'est-ce que c'était? J'ai failli me faire pipi dessus. Qui aurait cru qu'une chose aussi minuscule pouvait faire autant de dégâts? Parfois, c'est difficile de travailler à côté de quelqu'un qui glande. Lana, tu permets? J'essaie de me concentrer. Waouh, ce mec sur Instagram est trop drôle! Ma patience a des limites! Tu te souviens de cette fois où ta sœur t'a fait cette affreuse farce avec des œufs? Peut-être qu'il est enfin temps de lui rendre la monnaie de sa pièce. Oh oui, elle va me le payer. La cuisine est l'endroit idéal pour trouver tous les ingrédients d'une bonne farce. Je sais exactement ce que je vais faire. Pour cette farce, il te faudra une feuille de papier que tu scotcheras sur le comptoir, comme ceci. Veille bien à mettre la partie collante vers le bas, puis décolle lentement le tout de la table en laissant le scotch collé à la feuille. Trouve une poubelle dont l'ouverture est commandée par une pédale et colle la feuille juste sous le couvercle, comme ceci. Verse maintenant un peu de farine sur la feuille de papier. Ça devrait le faire. Ferme lentement le couvercle pour que la farine ne tombe pas. Elle n'a rien vu, n'est-ce pas? Oh oh! Il est temps d'aller chercher des munitions. Ok, fais juste comme si tu étais en train de travailler.
Elle va droit vers la poubelle. Et boum! C'est quoi ce bordel? Est-ce que je viens de me faire enfariner? Je n'y suis pour rien!